le maître Aguilar, disciple de la 32e génération de moines guerriers de Shaolin et fondateur du monastère Shaolin Chanwutang, est indiscutiblement l'un de ceux qui ont propulsé en Occident les techniques martiales et la philosophie du monastère Shaolin de Chine. Après 10 ans d'études à Shaolin, nombreux ont été les maîtres, jeunes et vieux, avec qui Huang Aguilar a étudié et approfondi la philosophie, l'art martial et le bouddhisme. C'est ainsi que s'est forgée toute l'encyclopédie Shaolin sur les formes et les styles d'entraînement. Le maître Aguilar poursuit l'expansion et l'enseignement des principes de base de Shaolin. Nombreux sont les élèves et maîtres formés par lui et par son monastère Chanwutang en Espagne. Huang Aguilar a installé son organisation China Henan Songshan Shaolin Kung Fu Association en Chine, en Espagne, en Italie, Argentine, Allemagne et au Japon, où ont été créés des sièges nationaux permanents. Tout le monde le sait, le monastère chinois a, sur ordre gouvernemental, fermé ses portes à l'acceptation d'élèves à la véritable discipline de Shaolin, ceux qui se déplacent jusque-là n'ont pour seule possibilité d'apprentissage que celle d'entrer dans l'une des nombreuses écoles de Wushu Shaolin que le gouvernement a créé autour du monastère. Pour la première fois, le maître Aguilar révèle certains des mouvements, des tactiques et des stratégies de l'une des armes les plus fameuses et les plus utilisées au monde, le bâton Shaolin. Nous allons montrer dans cette vidéo la défense et l'attaque, les mouvements d'échauffement et le Taolu de cette arme de Shaolin, un petit échantillon du pouvoir que recèle Shaolin. Un bâton dans un combat est une arme longue qui peut être de grande utilité face à un homme désarmé. L'adversaire parviendra difficilement à nous atteindre avec ses pieds et ses poings. Et dans le cas où il serait armé d'un couteau ou d'une quelconque arme courte, il deviendrait inutilisable. Le bâton est idéal quand, bien utilisé, il permet de maintenir l'attaquant éloigné de son objectif. Anciennement, c'était l'arme la plus adéquate dans le combat de l'homme à cheval. En effet, quand le guerrier était tombé, il pouvait poursuivre le combat car la longueur de son arme lui permettait d'atteindre ses ennemis même si ceux-ci restaient à cheval. Il était utilisé par les paysans pour livrer bataille contre les brigands des grands chemins qui attaquaient fréquemment au galop. Les bâtons, une fois de plus, arrivaient là où un couteau n'aurait jamais pu arriver. Il est évident que ce n'est pas à Shaolin que s'est créée la coutume de la défense avec bâton. Cependant, c'est à Shaolin que son usage atteint des cotes sublimes de perfection. Shaolin a conçu et codifié la succession des mouvements qui actuellement sont reconnus comme art martial. Mais le code de défense de l'homme lui fut donné par son instinct de survie. À Shaolin, nous essayons de l'éduquer, de le guider et de le perfectionner pour la défense, et si nécessaire, dans les cas extrêmes, pour l'attaque. Pour Shaolin, le plus important, c'est l'usage de ce que nous trouvons le plus facilement à notre portée, notre corps, nos jambes, nos bras. Ensuite, il y a la simplicité du bâton, apparemment inoffensif, mais qui peut devenir une arme terrible dans les mains d'un expert. L'un de ses avantages tactiques vient du fait que le bâton est une arme qui a tendance à soulever autant de méfiance que n'importe quelle autre pour un agresseur. Et c'est précisément cette arme qui peut être notre meilleure défense. Elle est, de ce fait, entraînée à Shaolin avec une dévotion toute particulière. À Shaolin, on pratique différentes variantes du combat avec bâton en relation avec le type d'arme en face duquel nous nous retrouvons. Bâton contre lance, bâton contre hallebarde, bâton contre épée, contre couteau. Plusieurs formes d'entraînement spécifiques du bâton ont même été créées contre un homme désarmé. Tous ces entraînements sont spectaculaires et très spécifiques. Toute cette attention que l'on porte au bâton fait de lui la star des armes. Quand on crée des tactiques spéciales contre un arme en particulier, cela veut dire que cette arme est digne d'être crainte. Elle était anciennement une compagnie de lit pour les voyageurs, une compagnie facile à remplacer dans la bataille. Elle est, sans aucun doute, l'alma mater de toutes les armes. C'est l'arme père de Shaolin. Le bâton a toujours été considéré à Shaolin comme une arme sans égale, père et prédécesseur de toutes les autres armes. Chéri et pratiqué par tous, ses formes et ses mouvements n'ont jamais varié. Son efficacité en combat réel
a toujours été loué dans les chroniques du temple. Son rôle principal a été mis en évidence dans de nombreuses séries de télévision orientales où on lui a toujours consacré une attention particulière. Un guerrier ne peut être appelé comme tel s'il ne connaît pas les tactiques de cette arme par excellence. De ce fait, dans le temple de Shaolin, son enseignement fait partie de la colonne vertébrale sur laquelle repose l'entraînement des disciples. Elle a été, depuis toujours, l'arme préférée de tous les grands maîtres, du fait de sa simplicité, étant qu'instrument, mais également du fait de la difficulté implicite, de son maniement correct et de son usage comme arme de bataille. Sa souplesse se base sur sa structure simple et son faible coût. Manière de saisir le bâton et de le présenter au maître de Shaolin. Manière de trouver la distance correcte suivant la proportion arme-personne. Manière de trouver la distance par l'usage défensif ou en attente du bâton. Manière de trouver la distance pour l'usage du bâton en tant qu'arme offensive ou pour l'attaque. Manière de découvrir la dimension totale du bâton et de la cacher à l'ennemi. Parcours des rotations latérales avec les deux mains. Position de garde fondamentale. Coup oblique descendant. Coup oblique ascendant. Coup horizontal croisé vers l'intérieur.
rotation sur une seule main. Ces exercices sont destinés à fortifier les poignets et à augmenter la sensibilité du maniement de l'arme. Ils servent également à l'échauffement avant le combat. Rotation sur une seule main. La recherche du centre de gravité est l'objectif du pratiquant. Rotation horizontale sur les deux mains. Les exercices de rotation ou en éventail sont utilisés en combat pour éloigner plusieurs adversaires qui simulent une attaque en même temps. Rotation horizontale sur les deux mains dans le dos. Thank you.
combinaison de tous les mouvements appris jusqu'au salut final. Entrée simple devant garde de bâton. Coup oblique et préparation pour coup horizontal. Coup croisé descendant vers l'intérieur, utilisé pour parvenir à entrer dans l'espace de l'ennemi et définir le combat. Coup oblique ascendant avec le revers du bâton. Entrée simple devant garde de bâton, coup oblique descendant et capture avec postérieur désarmement de l'ennemi. Défense vers l'intérieur droit. Coup aux articulations. Défense vers l'intérieur gauche. Coup descendant sur la tête. Défense descendante droite.
capture inversée vers l'intérieur. Défense descendante droite. Capture inversée vers l'extérieur et coup de contre sur le cou. Défense descendante gauche. Coup descendant sur la tête. Défense descendante droite. Coup avec le tranchant de la main. Défense niveau haut avec le corps du bâton. Coup simultané avec les deux extrémités au foie et à la rate. L'action finalise avec une capture du cou de l'adversaire. Défense vers l'extérieur droite. Coup direct à la zone génitale vers l'extérieur et abattement de la tête et de la nuque. Entrée simple devant garde de bâton. Attaque vers l'intérieur droite. Coup horizontal.
Attaque vers l'intérieur gauche. Coup descendant à la tête. Attaque descendante droite. Capture inversée vers l'intérieur. Attaque vers l'intérieur droite. Immobilisation des mains de l'ennemi. Attaque vers l'intérieur droite. Capture des articulations par l'intérieur. Attaque vers l'intérieur droite. Capture des articulations par l'extérieur. Attaque vers l'intérieur droite. Capture de la tête. Attaque vers l'intérieur gauche. Capture de la tête. Attaque vers l'extérieur gauche. Capture de la tête et position finale d'étranglement.